Image qui est iconique de l'artiste. Voilà, c'est l'une des plus connues et c'est l'une des plus aimées. Enfin, pour les Anglais, l'image la plus aimée, c'est la jeune fille au ballon. Voilà. Donc il existe une version où on a une jeune fille. Ça, les gens le savent moins, mais on a la jeune fille, on a le ballon et la sérigraphie, elle est découpée en pointillés au milieu et elle a un autre nom. Du coup, elle s'appelle En cas de divorce. Je ne sais pas si vous saviez, mais je vous le dis. Donc ça, c'est la plus recherchée. C'est un label indépendant. Ce sont des compilations de plusieurs artistes. Et donc, il y a le 1, le 2 et le 3. J'ai mis le 3 un peu plus haut pour les enfants. Pas qu'ils voient trop parce que c'est un peu grivois. Voilà. Et un CD très important, c'est ce CD qui est un détournement du CD de Paris Hilton. Quand Paris Hilton a sorti un CD en pensant qu'elle était chanteuse et musicienne, Banksy s'en est moqué en créant un CD avec un DJ qui s'appelle Danger Mouse. Et ça, c'est la seconde pression du CD, à 1000 exemplaires. La première comporte 500 exemplaires. Il est blanc, il y a écrit Paris au marqueur noir, et le point sur le i de Paris, c'est un petit cœur. Voilà. Et en fait, ils ont détourné toute la musique, toutes les paroles et tout le livret. Donc, cette version de 500 exemplaires a été mise dans les bacs chez les disquaires londoniens et autour de Londres. Et donc, à un moment donné, ils se sont rendus compte que ce n'était pas le vrai CD. Donc, il y en a plein qui ont fini à la poubelle, il y en a qui ont fini sur des sites marchands. Et moi, j'ai réussi à récupérer la seconde pression du CD, qui est tirée à 1000 exemplaires. Voilà, on peut dire que c'est une grosse blague de Banksy. Pour moi, c'est une histoire. Voilà, c'est comme un happening. Voilà, et donc, on peut dire aussi que par ce CD, il se moque de l'industrie de la musique. C'est aussi le message, il est aussi là. Il se moque pas tant de Paris Hilton. Il se moque aussi des industries musicales qui nous abreuvent parfois de, je vais le dire, hein, de musique de merde. Donc après, si on aime Paris Hilton, on aime Paris Hilton. Moi, je m'en fous. Lui, apparemment pas. Voilà.